J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et actuellement, nous sommes tout près du canal de Danomambo, derrière l'INGS. Vous le connaissez bien. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et il y a peut-être un an ou plusieurs mois en tout cas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre vidéo pour voir. Moi-même, il y a longtemps que je n'étais pas arrivé ici. Et cette vidéo tombe à pic parce que ça va me permettre aussi de découvrir comment est-ce que les choses ont avancé et ça va vous permettre aussi, vous également, de voir le canal. Comment est-ce que ça s'est aménagé, les autorités ont aménagé, arrangé. Nous allons tous le découvrir, hein? Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Vous voyez bien, c'est le canal de Woody. Nous allons... Donc, je vais vous montrer réellement à quoi ressemble ce canal. Aujourd'hui, en 2024 janvier, aujourd'hui c'est le combien? Attends, je vais regarder. Le 21, voilà, le 21 janvier 2024. Let's go. Il y a le pont. Voici le pont HKB, le troisième pont. Le troisième pont d'Abidjan. Qui mène directement à Cocody, mais je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Et le canal. Vous voyez? Ici, c'est le canal. Nous allons traverser, ok, à travers cette pirogue que vous voyez là. Que je puisse vous montrer réellement. Ayam, mes amis, les gars, abonnez-vous massivement. Ici, c'est le canal là. De. Voilà. Vous voyez, ça a été aménagé, ça n'a pas été aménagé. Il y avait des mécaniciens qui travaillaient quelque part là-bas. Mais je pense qu'ils ont tous déguerpi, hein. Vous voyez que c'est l'espace est vide. L'espace est vide. Vous voyez comment c'est devenu. Mais moi je peux certifier, l'eau n'est pas propre. Hein. Ce n'est du tout pas propre. Ce n'est pas propre, ce n'est pas propre. Voilà. Je vais traverser pour aller de l'autre côté. Pour encore vous montrer à travers cette pirogue là. Okay, je vais aller l'attendre ici. Tous ceux qui veulent visiter, vous pouvez venir visiter. Salut, c'est combien? Ok, je vais traverser. Non, c'est le canal. Je suis en train de faire un petit vlog sur le canal. Un petit vlog. Vlog. Ouais, vlog. Sur le canal là, parce que il y a certains de mes abonnés qui me demandent de le faire. Tu vois? Donc je dois le faire. Et donc vous traversez quoi? Oui, je vais traverser. Et puis après, je vais revenir encore pour aller. Donc ça fait 100 francs. C'est ça, non? Oh my God. Attends, je vais... Donc, je suis dans... Comment je vais appeler ça même? La pirogue ou... Une pirogue, voilà. Je suis dans la pirogue en train de traverser. Vous voyez, à travers... C'est... À travers le canal là, vous voyez, je ne peux pas vous certifier que c'est propre hein, parce que il y a une odeur quand même qui est là. On va essayer d'aller de l'autre côté pour aller voir aussi. Ici c'est le troisième pont HKB. HKB. Et derrière là-bas, c'est Anomambo. Quand on passe derrière côté. C'est ça non? Je reviens.
Quand je vais venir, je vais te donner l'argent. Ok. On va aller de l'autre côté. Voir un peu. Voilà, les gars, vous voyez le canal. La nouvelle face du canal de Vérité. Donc, ce que je disais, c'est que ici, quand même, vous voyez, juste à côté du mur, là, il y avait des gens, des mécaniciens, tout ça. Et il y avait aussi des personnes qui lavaient, qui faisaient le linge ici. Faisaient le linge, mais ils sont tous partis. Je pense que ça a été fait sous l'autorité sur la recommandation des autorités. Voilà. À quoi ressemble le canal aujourd'hui, le 21 janvier 2024. À vous de juger, les gars. Moi, je fais seulement la vidéo. À vous d'apprécier dans les commentaires. Dites ce que vous pensez du canal. Est-ce qu'on doit faire plus que ça? Est-ce qu'on doit dépolluer l'eau? Qu'est-ce qui doit se faire ici réellement? Dites-nous en commentaire, les gars. Derrière là-bas, c'est Anumombo. Derrière le mur, c'est Anumombo. De l'autre côté aussi. Parce que là-bas. Bon, les gars, je ne pense pas que il y a grande chose ici. Anumombo, c'est trop derrière. Je vais enlever l'argent du passeur. Donc aller, ça fait 50, et retour, ça va faire 100 francs. Je vais lui donner ces 100 francs. Le passeur. Ok, on y va. Le passeur. Il y a même comme des grilles de protection. Le troisième pont HKB. Est-ce que c'est nécessaire pour moi de faire une vidéo sur le troisième pont? Bon, je vais voir. Parce que je suis tout près déjà. Je vais en profiter pour faire une toute petite vidéo. Une à deux minutes. Pour vous permettre de voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu, le troisième pont HKB, nous allons apprécier. Donc on va essayer d'allonger un peu la vidéo. Waouh! Vous allez voir un peu le littoral là. C'est impressionnant. Wow. Je pense que quand j'étais venu avant, il y a un espace ici, devant là, où on peut se reposer, on peut prendre des sucreries ou des boissons, tout près là. Je pense que je vais arriver ici, je vais arriver là-bas. Vous allez voir. Toutefois que vous venez visiter le canal, vous pouvez venir ici, venir voir un peu.
vous asseoir, vous reposer. Il y a des cocotiers, il y a des arbres. Et on vend aussi de la nourriture. On vend de la nourriture, on vend des sucreries, on vend des... des boissons aussi. Waouh! Vous voyez comment l'espace est beau? Donc à travers cet espace, vous pouvez voir le troisième pont là-bas. Vous voyez, non? Vous pouvez voir le troisième pont là-bas. Donc c'est la lagune. Par ici, là. Donc, vous voyez un peu l'espace. C'est un peu cool, hein, les gars. Donc, nous allons progresser. Bonjour. Je suis en train de faire la publicité de votre coin. Hein. Ouais, donc... Ah, mais c'est chez vous, non? Voilà. Les gens qui vont regarder la vidéo là, ils vont, quand ils vont venir ici, ils vont venir prendre de l'air, acheter des choses, des boissons. Vous en vendez, non? Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est sympa de leur part. Bien les gars, voici en quelque sorte le canal là. En quelque sorte, le canal là, à Yam, me sorti. Bien, je vais me diriger maintenant vers le bateau pour pouvoir l'emprunter pour me rendre à Port Boué. Le front de mer de Port Boué. Rendez-vous, front de mer de Port Boué. Voilà. Pour un autre vlog. Yam, Mr. B. Je pense que le gars il est arrivé de l'autre côté. Hein. Wow. Voilà, moi je vais embarquer pour me retourner chez moi. Ok, merci. La traversée atypique. Ok, nous sommes arrivés. C'est la fin de la vidéo sur le canal de Vridi, les gars. J'ai été ravi de produire cette vidéo pour vous. Et je pense que vous l'avez aimé. Vous avez vu en quelque sorte à quoi ressemble. Hein. Il n'y a pas eu grand changement. Un tout petit changement. Et j'espère que le meilleur viendra dans le futur. Alors, ne désespérez pas. Nous sommes là pour attendre. Et je pense que ça va se faire. Le canal de Vridi ressemblera certainement à un endroit touristique et où les gens viendront, n'est-ce pas, visiter et en profiter pour discuter, pour faire beaucoup d'autres choses. Voilà, donc on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Yam, Mr. B. Les gars, comme d'habitude, peace out.